Bonjour. Un concept dont nous n'entendons pas parler, mais qui compte beaucoup dans la loi d'attraction et qui vous empêche sûrement de rencontrer la bonne personne, est que si vous n'êtes pas avec la personne de vos rêves, c'est qu'au fond, vous vous trouvez des avantages à vivre sans cette personne. Des avantages auxquels vous n'êtes peut-être pas prêt à renoncer. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais il est clair que vous êtes là où vous en êtes parce que vous le souhaitez. C'est pas toujours facile à accepter, mais c'est vraiment ainsi. Personne ne reste sur place s'il ne trouve pas des avantages. Alors, ces avantages peuvent être inconscients, mais ils existent quand même. Donc, vous ne seriez pas là où vous en êtes si cela ne vous plaisait absolument pas du tout. Tous les inconvénients comportent des avantages. Et il est parfois dur d'accepter que l'on aime se plaindre et que c'est pour cette raison que l'on se maintient dans une situation déplaisante. Il est peut-être parfois difficile d'accepter cette partie de soi qui aime le problème. Car sans lui, on devrait affronter l'inconnu. Donc, sachez, apprenez, c'est un apprentissage, à reconnaître les avantages de vos inconvénients et vous vous rendrez compte que vous utiliserez beaucoup plus facilement la loi de l'attraction quand vous aurez justement appris à conscientiser justement cette partie de vous qui prend un certain plaisir à certains inconvénients. Voilà. C'était le conseil inspirant de la vidéo. Si vous en voulez d'autres, je vous invite à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a une vidéo de conseil par jour. Je vous remercie, je vous souhaite de vous attirer tout le meilleur, je vous souhaite de grandir toujours plus et je vous remercie.